Moi, comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne me prends pas du tout la tête avec ça. Je n'ai même pas encore 20 matchs en Ligue 1. Je pense que parler d'une sélection internationale, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Voilà, pour moi, ce n'est pas le moment d'y penser. Je vais continuer à travailler. Et voilà, je vais prendre les choses quand ça viendra. Et puis, je ne suis pas pressé. Je prends mon temps sur ça. Voilà, il y avait le coach qui était là de la sélection ce soir, j'ai pu le rencontrer. Non, j'ai pas discuté avec lui, je l'ai juste salué avec beaucoup de respect. Voilà, je me prends pas la tête sur ça. L'Algérie aujourd'hui est une équipe magnifique et je pense pas encore être au niveau pour atteindre cette équipe-là. Aujourd'hui, voilà, je suis français et algérien, les deux. Je suis 50-50 et puis voilà, c'est une chance plus que tout de pouvoir jouer pour deux sélections. Il faut qu'on arrête aussi de voir ça comme quelque chose de négatif. Oui, les buts nationaux, machin. Voilà, il faut laisser le libre choix aux joueurs et puis c'est magnifique de pouvoir jouer pour deux sélections. Et aujourd'hui, c'est deux grandes nations, la France et l'Algérie. Donc voilà, c'est toujours flatteur de savoir qu'il y a de l'intérêt. Mais comme je vous l'ai dit, je ne pense pas aujourd'hui être prêt pour le niveau international A parce que c'est un niveau qui est très très dur. On va travailler et je suis encore jeune et voilà, on va continuer pour progresser. Bah, forcément, j'étais très content pour eux quand ils ont gagné. Voilà, aujourd'hui, ils ont une superbe équipe et ça fait plaisir de voir une équipe comme ça. Maintenant, pour Riyad Mahrez, je trouve que c'est un super joueur et qui mérite beaucoup de choses. Après, voilà, il y a aussi d'autres joueurs africains qui ont fait des superbes saisons, mais je pense qu'ils méritent tout. Et puis ça, c'est ma petite touche perso, de l'huile d'olive de chez ma famille de Kabylie qui est produite par la famille. Donc voilà, c'est le petit secret pour être en forme le matin.